Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire. Luc Allade, le diplomate français, est en fin de séjour à Douri où il est allé prêcher paix et cohésion sociale au Sahel à travers des visites de courtoisie sur fond d'échange avec les coutumiers et les religieux. Et puis ce 5 octobre, nous rendons hommage à nos enseignants. Tout le mérite est à vous, mesdames et messieurs, chez nos maîtres, président de la République, médecins, magistrats ou encore journalistes. Nous sommes tous le fruit de vos efforts. Même à la retraite, il y a une vingtaine d'années, l'inspecteur Issa Traoré continue de nous instruire. L'éducation au Faso, vue par le doyen, son portrait à suivre dans un instant. À l'international, Donald Trump, testé positif au Covid-19 et donc censé être en quarantaine, il se fait encore un coup de pub en faisant une petite balade en voiture hors de l'hôpital pour rassurer ses partisans de son état de santé à l'orée de la présidentielle américaine. Voilà qui fait la une de ces 13 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Mais avant de développer ces titres, retenez que la Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest totalise 15 ans d'activité, donc une solide expérience en matière de microfinance. Les acteurs se sont réunis ce matin à Ouagadougou pour 3 jours de réflexion sur le bilan et les perspectives pour la CIF. L'ouverture des travaux avec Amadou Ilboudo et Caroline Ouari. Positionnement stratégique en Afrique de l'Ouest, c'est l'ambition de la présente rencontre des acteurs de la Confédération des institutions financières. Après 13 années d'exercice, la Confédération se penche sur le chemin parcouru en termes de difficultés rencontrées, d'acquis réalisés et de perspectives pour la suite. Quels sont les leviers sur lesquels le réseau CIF doit pouvoir agir pour mieux satisfaire ses clients? C'est fondamentalement cela pour que les clients puissent avoir accès à des services financiers appropriés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où qu'ils se trouvent. Pour les besoins de financement de l'agriculture, les besoins du petit commerce, les besoins de financement de la santé, les besoins de financement de la scolarité pour les enfants, etc. L'évolution de l'institution financière occasionne des défis auxquels le réseau ouest africain veut faire face. De plus en plus, le client est beaucoup plus exigeant et étant des coopératives, des sociétés qui sont de l'émanation de la population et de la population la plus pauvre, je pense que notre responsabilité aujourd'hui, c'est de créer des mutations qui nous permettent de prendre en charge les besoins de cette population, qu'ils soient dans l'agriculture, qu'ils soient dans l'élevage, qu'ils soient dans les jeunes qui viennent de l'école et qui ont envie de monter des choses. 3 jours durant, les participants venus du Burkina et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest vont aussi faire l'état des lieux réglementaires, institutionnels, technologiques et environnementaux actuels et les implications pour les membres du réseau et les unités d'affaires. Des travaux devant contribuer à déterminer le choix du positionnement stratégique de la Confédération des institutions financières en Afrique de l'Ouest. On reste dans le registre finance avec la BDI plus proche de sa clientèle. Elle se déploie conformément à sa politique de proximité. Sa nouvelle agence, la 16e de la Banque de l'Union, est située au quartier Wayalguin de Ouagadougou. La cérémonie inaugurale en image avec Issa Kafando et Draman Guéné. La Banque de l'Union se déploie à Wayalguin, arrondissement 10 de Ouagadougou. C'est ici, dans cette nouvelle agence, que les clients de la banque vont désormais faire leurs différentes opérations. C'est une banque qui est ouverte vers ses clients, engagée pour ses clients. Et 24 heures sur 24 heures, vous trouverez toujours des gens disponibles pour vous écouter et surtout pour accompagner les opérateurs économiques dans leurs projets. Il y a aussi les jeunes qui ont des projets, donc nous sommes prêts à les accompagner. Les prestations fournies sont présentées à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration. Tous les segments de la clientèle sont accompagnés avec des produits adaptés. On a également des prêts aux particuliers. On a notamment parlé des prêts logements en partenariat avec des promoteurs immobiliers. On a les découverts, les prêts scolaires. On a même également des prêts spot. Quelquefois, la clientèle est un peu coincée par des imprévus, tandis qu'elle s'est déjà engagée sur son prêt classique et son prêt scolaire. Bon, dans les limites de la quotité, on les accompagne pour se dépanner. La Banque de l'Union est présente au Burkina depuis le 15 janvier 2015. Elle compte à son actif 16 agences sur le territoire national, dont 9 à Ouagadougou.
Je le disais en début de journal, Luc Allade, à la rencontre des leaders religieux et coutumiers de la région du Sahel, dans cette région en proie au terrorisme et aux crises communautaires, le diplomate français exhorte à la culture de la paix et de la cohésion sociale, gage de tout développement. Retrouvons sur place Adorine, nos reporters Souleymane Kwanda et Pini Dienyanou. Chez les chefs coutumiers et traditionnels du Sahel, ou chez le grand imam de Dori et l'évêque, le message est le même. L'ambassadeur de la France, Luc Allade, dit être venu écouter ses dépositaires de la tradition et religion, connaître leur point de vue et analyse sur la question sécuritaire qui prévaut dans la région du Sahel. Ma préoccupation, c'est d'essayer de comprendre la situation locale. Et pour bien comprendre la situation, il faut s'adresser à des gens qui la connaissent mieux que moi, par définition, et donc aux autorités coutumières, traditionnelles, et puis à l'instant aux autorités religieuses, que sont Monseigneur Dabiré et le grand imam, et donc essayer d'écouter leur propre analyse de la situation, et voir effectivement quelle piste de solution ils peuvent essayer de nous donner ou nous tracer. Et puis voir aussi, plus modestement, comment est-ce qu'on peut essayer, nous, en tant que partenaires, du Burkina Faso, d'accompagner les efforts qu'ils peuvent mener les uns et les autres pour essayer d'améliorer la situation. Le retour de la paix, la cohésion sociale et la bonne coopération entre la France et le Burkina Faso était le souhait des deux différents groupes rencontrés. Donc nous avons reparcouru les espoirs, les angoisses, mais aussi les signes de solidarité et les possibilités de construire que notre pays possède encore, notre population possède encore. Nous souhaitons que cette coopération avec nos autorités continue parce que nous sommes juste un arrière-garde qui souhaite la cohésion, la paix. Cette cohésion, elle est perdue à partir du moment où il y a des perceptions de la disparité de ce que nous sommes nous-mêmes. À l'issue des rencontres avec les chefs coutumiers traditionnels et les religieux, les déplacés internes du quartier Wendou de Dori ont reçu également la visite de l'ambassadeur. Les échanges ont porté sur leurs conditions de vie et leur retour chez eux. L'eau source de vie, la bonne gestion de l'or bleu est donc la raison d'être du PAGIR, le programme national de gestion des ressources en eau qui peaufine sa nouvelle stratégie visant la protection de l'existant et le renforcement des acquis pour une meilleure préservation de la ressource en eau et des milieux connexes. Les grandes lignes du rapport diagnostique avec Bernard Combelem et Pascal Canet. C'est bientôt fini pour la navigation à vue dans la gestion de l'eau et de l'assainissement. Le secrétariat permanent pour la gestion intégrée des ressources en eau veut mettre fin à la cacophonie des acteurs en mettant à leur disposition un guide de référence national. Les résultats de l'étude communautaire à cet effet sont dévoilés au cours de cette rencontre pour appréciation. Et nous avons pris des réformes sur le plan institutionnel pour pouvoir asseoir cette approche de gestion des ressources en eau dans notre pays. Et donc ces réformes ont constitué et ont concerné beaucoup plus la mise en place des structures de gestion au niveau central avec la mise en place du comité national de l'eau, au niveau des bassins avec la création des agents de l'eau, et au plan local avec la création aussi des comités locaux de l'eau. Il s'agit donc au cours de cet atelier pour les techniciens du domaine d'examiner les documents et faire des aménagements si nécessaire. L'idée est de permettre également aux différents intervenants du domaine d'harmoniser leur point de vue sur la pratique en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Cet exercice est très important parce que cela va nous permettre en fait d'assurer une mise en cohérence de ces actions et surtout une meilleure coordination des interventions sur le terrain. À l'issue de cet atelier, les acteurs intervenant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement disposeront d'un guide pratique qui régira désormais les actions en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement. Bonjour messieurs, cette formule, je l'ai mémorisée au CP1. C'est vous qui me l'avez appris. Puis bébé lève la tête, cette tête, je la lève maintenant avec plus d'assurance et de conviction pour vous rendre hommage. Aujourd'hui 5 octobre, journée dédiée à l'enseignant,
Issa Traoré nous ouvre encore ses portes comme il l'avait toujours fait avec ses élèves de Pensa à Kouka en passant par Waïguia. L'inspecteur Traoré est admis à la retraite il y a une vingtaine d'années, mais sa passion pour l'éducation reste intacte. Son portrait avec Drissa Traoré et Wigia Rokessano. Ce matin, c'est avec joie que l'inspecteur Issa Traoré reçoit la visite d'un de ses élèves de Kouka. Un de ceux-là à qui il estime avoir légué une part de lui-même conformément à sa vision de l'enseignement. Pour moi, on entre comme enseignant, mais on doit viser à être un maître. Le maître, c'est celui qu'on imite. Le maître, c'est celui qu'on a écouté et qu'on suit ses conseils. Et toute la carrière de l'homme a été guidée par cette conviction. 56 ans au service de l'éducation, dont 38 dans la fonction publique, alors que rien ne le prédestinait à l'enseignement. La profession s'est imposée à lui au CM2 quand il avait 14 ans. Quand vous arrivez au CM2, si vous êtes admis d'office, ça veut dire que vous pouvez continuer des études longues. Mais si vous redoublez comme moi, alors donc vous êtes appelé 14 ans, 15 ans à faire des études courtes. Donc j'ai été orienté au cours normal. Et là-bas, quand vous arrivez, c'est pour être enseignant. Après le cours normal, à 18 ans, Maître Issa, comme l'ont surnommé ses élèves, est directement envoyé dans une salle de classe à Pensa, sans même la formation préalable d'un an comme il était de coutume à l'époque. Mais pas question pour lui d'être un piètre enseignant. À force de travail donc, le jeune homme d'alors gravit les échelons. Conseiller pédagogique, inspecteur et formateur d'inspecteurs, éduquer devient pour lui une passion et partout où il est passé, il a su imprimer sa marque. Pour Maître Issa donc, rien ne vaut le travail. Il ajoute qu'en plus, un éducateur doit être rigoureux, incarner les valeurs qu'il enseigne et être un exemple dans la société. Il se rappelle encore les propos d'un imam qui ne voulait pas scolariser ses enfants. Il dit, et si nous nous éduquons nos enfants à ne pas boire, nous éduquons nos enfants à ne pas fumer, mais quand ils vont à l'école, c'est le maître qui les envoie acheter la cigarette. Quand ils vont à l'école, c'est le maître qui les achète et les envoie aller acheter la bière. Alors nous ne sommes pas d'accord. L'inspecteur Issa Traoré dit assister avec amertume à la baisse du niveau de l'éducation au Burkina Faso. Une situation imputable selon lui à un manque de suivi. Une école fait 0% au CEP. Ah, ça doit faire réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait l'examen pour savoir que la classe ne travaillait pas. Il y a le directeur d'école. Il faut que les encadreurs sortent de leur bureau pour aller dans les classes. Qu'est-ce qu'on dit que c'est l'œil du gendarme qui éloigne le voleur. Pour son abnégation au travail, l'État burkinabé a reconnu ses mérites à travers différentes distinctions. Mais pour lui, la plus grande récompense fut la réussite de la plupart de ceux qui l'a formé. Chaque fois quand on vient me parler des choses d'eux en bon terme, ça me donne de la joie. Parce qu'il ne faut pas voir chaque fois la reconnaissance, il faut lui donner de l'argent. Non, non, non. Est-ce que les conseils que vous avez donnés portent bien? Il nous a toujours dit que l'homme doit toujours chercher à travailler, que c'est le travail qui grandit un homme. Et effectivement, toute la classe s'est mise au travail. Maître Issa, pour moi, ce n'est seulement pas le maître dont il est question, mais pour moi, c'est un papa. Aujourd'hui, âgé de 79 ans, l'inspecteur Issa Traoré passe ses journées entre la lecture, les informations et le jardinage. Éduquer
ou périr, dixit le professeur Joseph Kizerbo. Nos enseignants ne cessent de le rappeler. La culture est notre identité. Eh bien, le pays Lobi célèbre en différé la journée mondiale du tourisme sous le thème tourisme interne et valeurs culturelles de la région du Sud-Ouest à travers une conférence publique pour ainsi inciter la population à découvrir le riche potentiel touristique que regorge le Sud-Ouest. Oumarou Sagnon et Roumial Patrice Toué, reportage. La région du Sud-Ouest compte une centaine de sites touristiques plus ou moins fréquentés, parmi lesquels une vingtaine de sites majeurs selon des chiffres de la direction régionale en charge du tourisme du Sud-Ouest. Les acteurs de ce domaine se sont réunis au cours de cette commémoration en différé de la Journée mondiale du tourisme pour réfléchir sur l'avenir de ce secteur porteur dans un contexte de Covid-19. Depuis cette année, on vit une épidémie. Et le tourisme ne peut plus être le même tourisme que ce qu'on vivait il y a 2 ou 3 ans. Donc, telle journée nous permet donc de réfléchir et de recadrer notre démarche pour mieux profiter des avantages de ce secteur. Il s'agira de deux panels. Un sur les potentialités culturelles de la région du Sud-Ouest. Et ensuite, l'autre va consister à nous montrer en quoi nos valeurs culturelles peuvent nous aider à mieux entretenir nos sites. Une sortie touristique sur les ruines de l'Europénie et les sanctuaires de Ouagadougou-Biré est également prévue au cours de cette commémoration. Les premières autorités régionales ont profité de cette occasion pour inviter les populations à s'engager davantage dans la promotion du tourisme interne. C'est déjà le début d'une communication en masse qui devrait toucher et les filles et les fils de la région, mais aussi toucher ceux qui sont en dehors donc de la région du Sud-Ouest pour qu'ils viennent voir ce que nous avons et ce que nous pouvons donc les présenter. Célébrée chaque 27 septembre depuis 1980, la Journée mondiale du tourisme a été instituée pour souligner la contribution de l'industrie touristique à la lutte contre la pauvreté. Cette journée est commémorée en différé au Sud-Ouest sous le thème « Tourisme interne et valeurs culturelles de la région du Sud-Ouest ». L'actualité internationale nous conduira aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump, le président américain testé positif au Covid-19, se permet une balade en voiture à l'extérieur de l'hôpital où il est censé être en quarantaine. Sortie rassurante pour ses partisans, mais ses détracteurs y voient une négligence et un risque de propagation de la maladie. Suivons. Et une polémique de plus, le président Donald Trump, censé être en quarantaine, a voulu rassurer ses partisans sur son état de santé en faisant un petit tour de voiture à l'extérieur de l'hôpital militaire de Walter Reed. Trump a donc remercié ses grands patriotes qui klaxonnent et le soutiennent. Mais cette initiative a surpris et suscité de vives critiques, en particulier liées au risque pour les agents du Secret Service l'accompagnant. Le président des États-Unis connaît-il vraiment les risques? Peu avant cette sortie, il avait publié cette vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup appris sur le Covid, j'ai appris en allant à la véritable école. Ce n'est pas l'école du lisons les livres, et je comprends. Et c'est une chose très intéressante. À l'hôpital Walter Reed, où Trump est hospitalisé depuis vendredi, son équipe de médecins a déclaré ce dimanche qu'il faisait des progrès réguliers. Aujourd'hui, il se sent bien. Il était réveillé. Notre plan pour aujourd'hui est de le faire manger et boire, se lever du lit autant que possible pour être mobile. Et s'il continue à se sentir aussi bien, notre espoir est que nous puissions planifier sa sortie dès ce lundi pour la Maison Blanche où il pourra poursuivre son traitement. Dans le week-end, l'équipe médicale présidentielle a dû administrer tout un cocktail à Donald Trump. Celui expérimental de la société Regeneron, l'antiviral Remdesivir et l'anti-inflammatoire stéroïdien Dexamethasone pour les cas graves. Dans le cas du stéroïde, il s'agirait plus d'une mesure de précaution car le président américain a dû être placé à 2 reprises sous oxygène pendant 1 heure vendredi et samedi. Reste à voir comment le président aura passé sa 3e nuit à l'hôpital Walter Reed. Avant de refermer cette édition, nous irons feuilleter les journaux de la place. 2 sujets à la une des quotidiens. Un climat politique délétère en Côte d'Ivoire et la 20aine de dossiers de candidature au Burkina pour la présidentielle de novembre prochain. Revue de presse signée Sekou Zongo. C'est une image du palais de Kossiam à la une de l'Express du Faso. Mais que vaut cette silhouette? Réponse du journal. 23 candidats sont à la porte du palais présidentiel. La CENI a ainsi réceptionné les dossiers de 23 candidats
au poste de président du FASO, ajoute l'Express du FASO. Une vitalité de notre démocratie, c'est du moins la conviction de nombre de Burkinabés. Opinion combattue par Daboué Adrian Kani, analyste du journal. Il ne peut y avoir autant de programmes de développement pour le seul Burkina Faso, s'exclame l'Express du Faso. Le journal qui s'insurge contre cette pléthore de candidatures en affirmant « Comment peut-on parler de cohésion sociale, de patriotisme et de réconciliation lorsqu'on n'est pas capable de donner soi-même l'exemple ?» À dire vrai, conclut l'analyste du journal, la classe politique burkinabé démontre à souhait ses criards divisions ainsi que son incapacité de rassembler les Burkinabés. 23 candidatures à la présidentielle de novembre prochain et des habitués, mais aussi 18 prétendants à se jeter pour la première fois à la conquête du fauteuil présidentiel, écrit pour sa part le journal de tous les Burkinabés. La liste définitive n'est pas encore connue, mais pour l'éditorialiste Sidouaya, la présidentielle de novembre prochain promet des empoignades de haut vol. La remise en cause de la caution de 25 millions et les parrainages par certains candidats n'est pas du goût de Mahamadi Téhéan. Que veulent-ils tous ceux qui, au nom d'une prétendue égalité prônée par la Constitution, galvaudent une fonction très noble par des arguments volant au ras des pâquerettes? Une chose est sûre, indique Sidouaya, l'élection présidentielle n'est pas ouverte à tout venant. L'éditorialiste qui ajoute, au-delà des qualités intrinsèques, l'on ne saurait confier les clés d'une nation à un individu qui n'a pas l'étoffe pour gérer le pouvoir d'État. Sidouaya de conclure à propos du respect, s'il vous plaît. La présidentielle toujours, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire. 50 000 spectateurs acquis à la cause de Alassane pour inaugurer un nouveau stade de football et à côté, le siège du PDCI refusait du monde. Visiblement, l'atmosphère sociopolitique ivoirienne est à la surchauffe, remarque l'observateur Palga. La crainte que l'élection présidentielle ne se déroule sans sérénité est réelle, poursuit l'Obs. La communauté internationale veut désamorcer la bombe avant qu'elle ne s'explose, écrit l'observateur Palga. Et le journal de commenter, la mission du ministre des Affaires étrangères du Ghana est véritablement une mission de diplomatie préventive dans un pays miné depuis 18 ans par des contentieux électoraux qui ont toujours débouché sur des affrontements chaotiques. C'était la notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.